l'atelier pêche nature de la PPMA, la truite du Haut-Verdon, en liaison avec la Fédération de pêche des Alpes-de-Provence, avec l'animateur de la fédération qui s'appelle Rémi Solier. Elle est située sur plusieurs sites. Alors, il y a le site du Lacustre, des fois il y a le Verdon, la Lance, pour l'apprentissage de pêche en rivière. C'est pêche au toc, c'est-à-dire pêche aux appâts naturels. Il y a l'aspect mouvant de la rivière. D'accord, oui. Et là, aujourd'hui, il y aura une séance sur le grand lac de retenue de Castillon. Et il y en aura encore d'autres dans la nuit. C'est des petits et des jeunes qui sont déjà rodés à la pêche au cou. Mais ce qu'il y a, c'est que la pêche en grand lac de retenue, c'est plus difficile. Donc là, ils vont se confronter à une dimension dont ils n'ont pas encore l'habitude, celui d'un grand lac de barrage. Ouais, ils apprennent les techniques spécifiques au lac, quoi. Spécifiques au lac. Et là, on a de la plette, du gardon, de la brème, qui ont souvent des touches beaucoup plus subtiles que la truite. C'est une très bonne école. Tout au long de la saison de pêche, et on se pose la question, on va étudier ça au conseil d'administration de la PPMA, si les niveaux le permettent, si certains sites le permettent, de le faire à la période de fermeture de la truite, vu que en seconde catégorie, on peut pêcher. Mais bon, on n'a pas encore tranché. Oui, ça sera pour plus tard. Ce sera pour 2017 ou 2018. Là, cet après-midi, sera les petits, mais il y a des demi-journées, des séances qui sont ouvertes à tous les publics. Ah oui, on a un petit noyau d'élèves qui s'est constitué de 6-7 élèves et qui deviennent pas mal bons et qui pourraient en entraîner d'autres, donc c'est super. Ils sont passionnés, quoi. Ah, ils sont passionnés. Et les filles, les deux plus fortes, ce sont des filles. Hein. Donc, il y a pour les petites et jeunes filles, c'est aussi un sport qu'on peut faire, c'est une occupation qu'on peut faire, c'est pas uniquement masculin.